Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous sommes de retour pour un petit tour. Donc, comme vous savez, j'habite seule et ma maison n'est pas encore finie, mais j'avais envie de faire ce petit tour. Donc, rentrez dans ma maison! Chez moi à la maison, c'est le petit pampas que j'ai acheté à Action, si je me trompe pas. Si vous entendez du bruit, c'est parce qu'ils sont en train de travailler chez moi. Vous allez beaucoup entendre parler d'Action aujourd'hui parce que moi je suis accro à Action IKEA. Donc vous pouvez voir, il y a deux sortes. Celle là je vais enlever parce que j'aime pas du tout, mais pour celles qui aiment les pampas qui sont un peu skinny comme ça, vous pouvez prendre. Moi j'aime bien ceux qui sont comme ça. Ici c'est la toilette. Ici c'est la toilette, je vais vous montrer après. C'est vraiment petit, hein, il n'y a rien d'intéressant. Après, nous avons ma table. Nous avons une table que j'ai achetée à IKEA. Je crois que c'était entre 30 euros et 40 euros, un truc comme ça. C'était pas du tout cher. C'est une table pour 4 personnes, donc, bref, 2 personnes, on peut dire 4 personnes. Tu peux mettre 2 chaises ici et 2 chaises là-bas. Les chaises viennent aussi de chez IKEA. Ça a coûté 15 euros si je ne me trompe pas. Donc c'est entre 10 euros et 15 euros. J'ai pas pris des trucs vraiment très très chers. Après nous avons la déco que j'avais mis sur la table. Tout ça, non, ça vient d'Action. Ça aussi ça vient d'Action. Et puis nous avons le petit bougie qui a l'odeur de la linge. J'aime bien la lessive en vrai. J'aime vraiment l'odeur de la lessive. Donc j'avais acheté ça à Prima. Mais si je me trompe pas, c'était entre 4 euros et 5 euros. Après nous avons le tapis. Le tapis qui vient de chez Action aussi. Le tapis était entre 7 euros et 8 euros. Comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup Action. J'aime beaucoup IKEA. Ici nous avons ma petite cuisine. Donc c'est ici où je passe mon temps à cuisiner, à faire à manger, tout ça, tout ça. Ici nous avons le four, ma grille, un frigo. Après nous avons l'armoire en haut, bref c'est un peu... Hein. Le four c'est multifonction, donc il y a micro-ondes, four à l'intérieur. Donc j'ai pas besoin en fait de sortir et de cuisiner avec les autres. Moi j'ai vraiment un petit studio à moi, vous voyez. Après ici il y a tous mes épices. J'ai mis tous mes épices ici à l'intérieur parce que c'est facile quand je cuisine, j'ai directement à prendre. Après, nous avons le plaque à induction. Moi, je vous dis, pour la première fois, quand je suis venue ici la première fois, j'étais grave choquée parce que ça chauffe très très vite. Hein. Ça chauffe très très vite. Pour ceux qui n'aiment pas attendre, moi, je vous dis, dans vos maisons plus tard, mettez des plaques à induction. Juste ici, il y a peut-être mes assiettes. Ici, c'est juste les trucs à nettoyer. Et ça... J'ai acheté ça à Action aussi. Et puis ça, j'ai acheté ça à Zeman. J'aime beaucoup parce que c'est noir. L'esthétique de ma chambre, c'est vraiment noir. J'avais acheté ça à 3 euros, vraiment moins cher. Après, les autres trucs, c'est un peu de partout. Hein. Primark, IKEA, Action. En plus, le truc avec Primark qui est bien, c'est que vous avez aussi les trucs pour la maison. Vous avez aussi les trucs pour... les salles de bain, les toilettes et tout. Donc si j'étais vous, allez regarder à Primark. Et aussi Action. Action c'est la base parce que c'est moins cher et vous n'avez pas besoin de gaspiller de l'argent, vous voyez. Donc là nous avons le bureau qu'on m'a donné. Sincèrement ce bureau je ne l'utilise pas tout le temps comme j'ai la table. J'ai un ordinateur bien sûr pour les études. On m'a donné une chaise avec ça, j'ai juste mis ça pour la vidéo en vrai de vrai. Je ne l'utilise pas du tout, c'est ce que j'avais mis sous la table avant. Mais la qualité, j'aime pas du tout. En plus, celle-là, elle vient d'Action. Donc, si vous voyez un truc en mode fourrure bizarre, tout ça, tout ça, ne l'achetez pas parce que c'est vraiment pas d'une bonne qualité. Le miroir vient de chez Action. Normalement, j'allais la mettre autre part, mais vas-y, j'ai pas vraiment eu l'occasion de la mettre. Ici, nous avons une petite photo de ma famille, de mes potes, t'as capté, parce que... Ils sont pas avec moi et parfois ça me fait du bien de regarder la photo. Après nous avons du chewing gum parce que la laine ne peut pas sentir mauvais à la maison ni dehors. Nous avons un petit truc pour mettre les mouchoirs dedans. Ça aussi ça vient d'Action. Miroir vient de chez Primark. Après nous avons mon petit sac. Si j'ai besoin de sortir vite fait, ben, je prends mon sac directement et je bouge. Ici nous avons la partie que j'aime le plus dans ma chambre. La chaise vient de chez Action. Elle est très très basse. C'était à 30 euros si je me trompe. Non je mens. C'était à 40 euros. C'était à 40 euros. Sincèrement j'aime beaucoup. C'est en mode velvet et tout. Velours merde.
en mode velours et tout, donc j'aime vraiment beaucoup. Après, nous avons la plante. Moi, j'ai toujours voulu une plante, mais j'ai jamais acheté. Cette fois-ci, j'ai acheté. Celle-là, elle était à 20€ et c'est un fake. Donc, j'ai pas besoin de mettre de l'eau parce que moi, je suis vraiment pas attentive avec les plantes et tout. Nous avons une petite déco ici, des petites bougies. Ça, ça vient de Primark aussi. Ça aussi, ça vient de Primark. Ça, ça vient d'Action. Ça, c'est pour mettre les bonbons dedans. Comme vous pouvez voir, il y a mon lit. Donc, c'est la première chose ici que vous voyez directement quand vous rentrez dans ma chambre. Et mon lit. Le lit, c'est le même lit que j'ai à la maison. Juste ça, c'est plus petit. C'est un 180/200, si je ne me trompe pas. Le matelas, j'avais acheté ça, si je ne me trompe pas non plus, bol.com. C'est un matelas qui est vraiment haut. C'est la première fois que j'utilise un matelas qui est vraiment plus haut que mon lit. De base, je prends juste un qui est normal. Hein. Bref, vous connaissez, nous les Africains, on n'aime pas prendre des matelas de ouf. Mais cette fois-ci, j'avais vraiment investi pour un matelas de bonne qualité. Ça, ça vient de Action. Ça aussi, ça vient d'Action. Et c'est vraiment grave. Genre là, vraiment, je fais vraiment la pub pour l'Action. Parce qu'en fait, en vrai de vrai, beaucoup de personnes n'essayent pas de bien regarder quand ils partent à Action. Moi, je suis désolée, tu peux trouver des pépites. Mais si je vous dis, vous pouvez trouver des pépites à Action, c'est dinguerie. Pour cette partie, là, nous sommes vers mes manteaux. Là, c'est juste un porte-manteau, on va dire. Tu peux même mettre tes vestes et tout, tes chemises, tes pulls. Ça dépend de toi. Mais moi, j'ai mis mes manteaux. Donc, tous mes manteaux qui sont là, bien classés sur couleur. Donc, vert, noir, et puis vers le beige, et puis vers le brun. C'est vraiment la partie que j'aime le plus dans ma chambre aussi. Pourquoi? Parce que ça rend ma chambre vraiment beau et belle. J'aime bien. Pour le lit, ce que j'avais oublié de dire, c'est que vous avez 4 tiroirs de chaque côté. Donc là-bas, 2. Ici, vous avez 2. Et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, vos chaussures, etc. Le porte-manteau, il vient de chez Ikea. C'était à 20€ quand moi je l'ai acheté. De base, c'était à 10€, mais comme les prix ils ont augmenté, là maintenant c'est à 20€. Donc là, ça m'est arrivé dans la partie un peu nulle. Parce qu'ici, je trouve que j'ai pas vraiment quelque chose d'intéressant à vous montrer. Là, c'est juste où je brosse mes dents. Il y a le lavabo, il y a le miroir pour me regarder. Après, à l'intérieur, il y a tous mes produits. Donc, en fait, le bac que j'ai acheté, ça vient de Zeman. Et puis, il y a tous mes produits dedans. Il y a des masques, il y a de la déo, il y a l'eau micellaire, la crème, mes brosses à dents. Après, il y a des produits pour le visage. Ce côté-ci, c'est plus les cheveux. J'ai même pas encore acheté tous les produits dont j'ai besoin pour les cheveux. Donc, c'est un peu vide, je trouve. Mais j'aime vraiment beaucoup mon petit studio parce qu'en vrai de vrai, ça me représente parce que tout est blanc. Et aussi, c'est mélangé avec un peu de noir. Et j'aime bien parce que là, maintenant, je peux faire ma déco à ma façon. Ici, nous avons mes habillages. Ce cadre, ce beau cadre, je l'avais acheté à Action. Il est magnifique. Sincèrement, il est magnifique. Je voulais la mettre comme ça sur le lit. Mais je ne sais pas encore comment je vais faire. J'ai besoin d'avoir un marteau, mais j'ai pas de marteau, donc c'est triste. Voilà pour la salle de bain. Salle de bain très simple. C'est bien beau, noir, tout ça. La porte, elle est transparente. C'est vraiment beau. C'est vraiment moderne, en vrai de vrai. C'est vraiment moderne. Donc là, nous avons mon gommage préféré. Je l'ai acheté hier, faut vous dire. Mais j'aime beaucoup trop. Ça sent la vanille et aussi la cassonade. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. J'avais toujours dit que j'avais envie de faire un long tour. Maintenant, j'ai enfin fait. Pour toutes les personnes qui ont envie de regarder les produits, qui ont envie d'acheter des produits, regardez dans la barre d'infos. En tout cas, j'ai vraiment aimé faire cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Oh.